Welcome to Lingery. In this video, we will provide you with comprehensible input for your French learning journey. This narrative unfolds in two distinct parts, each designed to engage your mind in a unique way. In the first part, you'll immerse yourself in the world of the story as an observer. You'll hear the tale narrated in the third person, allowing you to absorb the plot, characters, and settings from an external perspective. In the second part, you'll step into the shoes of the protagonist. The story will be narrated in the first person, granting you a deeply personal connection to the character's thoughts, emotions, and experiences. As the video draws to a close, get ready for a thoughtful challenge. We'll pose comprehensive questions about the content you've absorbed. So, fasten your seatbelt, get comfortable, and prepare to be transported into the captivating world of Julie Paris. Le premier jour de Julie à Paris. Le soleil se levait doucement sur Paris lorsque Julie, une jeune fille venue de loin, descendit du train. Elle était nouvelle dans la ville lumière et ne parlait pas beaucoup français. Elle portait un sac à dos rempli de ses rêves et d'attentes pour cette nouvelle aventure. Les rues étaient animées, les Parisiens se pressant pour commencer leur journée. Julie était à la fois excitée et nerveuse. Elle avait lu tant de choses sur cette ville, vu des photos magnifiques, mais aujourd'hui, elle était là. En train de vivre son propre conte de fées. Elle prit une grande bouffée d'air frais, s'efforçant de chasser ses inquiétudes. Son premier défi était de trouver son chemin jusqu'à son nouvel appartement. Elle avait une adresse écrite sur un morceau de papier, mais elle n'était pas sûre de savoir comment s'y rendre. Elle s'approcha d'un passant sympathique, un homme âgé qui marchait avec une baguette sous le bras. Julie se tourna vers lui, un sourire timide aux lèvres, et dit Excusez-moi, je suis nouvelle ici, je cherche cette adresse. L'homme la regarda avec gentillesse et lui donna des indications en français. Julie avait du mal à comprendre, mais elle était déterminée à réussir. Elle remercia l'homme et commença à marcher dans la direction qu'il lui avait indiquée. Le bruit de la ville, les sirènes des voitures, les discussions en français autour d'elle, tout était si différent de ce à quoi elle était habituée. Cependant, Julie ne se laissa pas décourager. Elle savait que cela prendrait du temps pour s'habituer à cette nouvelle vie. Après quelques erreurs de direction et quelques regards perplexes échangés avec les passants, Julie finit par arriver à son nouvel appartement. Elle s'assit sur le lit et soupira de soulagement. Elle avait réussi sa première épreuve à Paris. La journée se poursuivit avec des découvertes de quartiers pittoresques, des boulangeries aux délicieuses pâtisseries, et des parcs où les gens se détendaient. Julie se sentit de plus en plus à l'aise à chaque coin de rue qu'elle explorait. Elle savait que cette ville lui offrirait tant d'histoires à vivre et à raconter. En fin de journée, Julie se rendit compte qu'elle avait faim. Elle chercha un restaurant, et bien qu'elle ne comprenne pas tout à fait le menu, elle commanda un plat qui avait l'air délicieux. En dégustant sa première bouchée, elle sourit. Paris était en train de devenir sa nouvelle maison, et elle avait hâte de découvrir tout ce que cette ville avait à offrir. La journée toucha à sa fin avec le coucher du soleil sur la Seine, un spectacle magnifique qui laissa Julie sans voix. Elle prit une dernière photo pour immortaliser ce moment et rentra chez elle, épuisée mais heureuse. Ce soir-là, en s'endormant dans. Aujourd'hui, le soleil s'est levé doucement sur Paris lorsque je suis descendue du train. Je suis une nouvelle venue dans cette ville magnifique, et mon français n'est pas encore très bon. Mon sac à dos est rempli de rêves et d'attentes pour cette nouvelle aventure excitante. Les rues étaient si animées, les parisiens pressés de commencer leur journée. Je suis à la fois excitée et nerveuse. J'ai lu tellement de choses sur cette ville, vu de si belles photos, mais aujourd'hui, je suis ici, en train de vivre mon propre conte de fées. J'ai pris une grande bouffée d'air frais pour chasser mes inquiétudes. Mon premier défi était de trouver mon chemin jusqu'à mon nouvel appartement. J'avais une adresse écrite sur un morceau de papier, mais je n'étais pas sûr de savoir comment m'y rendre. J'ai approché un passant sympathique, un homme âgé qui marchait avec une baguette sous le bras. J'ai tourné vers lui un sourire timide et j'ai dit, excusez-moi, je suis nouvelle ici, je cherche cette adresse. L'homme m'a regardé avec gentillesse et m'a donné des indications en français. J'avais du mal à comprendre, mais j'étais déterminée à réussir. Je l'ai remercié et j'ai commencé à marcher dans la direction qu'il m'avait indiquée. Le bruit de la ville, les sirènes des voitures, les discussions en français autour de moi, tout était si différent de ce à quoi j'étais habituée. Cependant, je ne me suis pas laissé décourager. Je savais que cela prendrait du temps pour m'habituer à cette nouvelle vie. Après quelques erreurs de direction et quelques regards perplexes échangés avec les passants, j'ai fini par arriver à mon nouvel appartement. Je me suis assise sur le lit et j'ai soupiré de soulagement. J'avais réussi ma première épreuve à Paris. Ma journée s'est poursuivie avec des découvertes de quartiers pittoresques, des boulangeries aux délicieuses pâtisseries, et des parcs où les gens se détendaient. Je me suis sentie de plus en plus à l'aise à chaque coin de rue que j'ai exploré je savais que cette ville me réserverait tant d'histoires à vivre et à raconter. En fin de journée, j'ai réalisé que j'avais faim. J'ai cherché un restaurant, et bien que je ne comprenne pas tout à fait le menu, j'ai commandé un plat qui avait l'air délicieux. En dégustant ma première bouchée, j'ai souri. Paris était en train de devenir ma nouvelle maison, et j'avais hâte de découvrir tout ce que cette ville avait à offrir. La journée a touché à sa fin avec le coucher du soleil sur la Seine, un spectacle magnifique qui m'a laissé sans voix. J'ai pris une dernière photo pour immortaliser ce moment et je suis rentrée chez moi, épuisée mais heureuse. Ce soir-là, en m'endormant dans mon nouvel appartement à Paris, je me suis sentie reconnaissante pour cette aventure qui ne faisait que commencer.